Bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2023. J'espère que tout va bien pour vous. Alors pour cette vidéo de janvier, on avait vu pour la vidéo du mois des mouvements de colère, de contestation. Donc ça y est, on entend parler de la grève générale du 19 janvier. Bon, alors j'avais envie de faire un petit tour d'horizon pour essayer de voir un peu comment ça va se passer. J'ai préparé l'œil de lotus et l'oracle soleil et nous allons voir ce qu'ils ont à nous dire sur ces mouvements là qui vont commencer pour la France. L'évolution pour ces mouvements là, de grève générale, ce qui va se passer, ça concerne l'inflation, ça concerne les retraites, on a la mort qui se retourne, là, il y a un changement radical. Alors comment ça va évoluer tout ça? Là, cette grève générale, bon là il y en a trop, on va essayer de demander. Alors évolution pour la France, ces mouvements de grève, que, voilà, comment ça va évoluer? Bon, on a quand même l'accident là, hein, quelque chose qui s'effondre. Hein. Bon, ça peut parler de ruines, ça peut parler... Ah, hein, pour une femme aussi. Alors, on avait vu dans le tirage du mois de janvier, hein, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, j'avais vu la directrice là, de l'Union Européenne, elle partait. Hein. Si ça parlait d'elle, on voyait bien une fin pour elle. Hein. Elle partait. Hein. Alors, le mouvement de grève. On a les ennuis, le travail. Bon, là, c'est les grèves, et voilà, hein, c'est ça. Alors, l'abondance. Donc là, c'est tout ce qui est ou argent ou abondance. Bon, fidélité, c'est que les gens vont être une idée de fraternité, hein, là. Hein. Bon, le karma, ça doit se passer comme ça. Donc là, c'est au niveau des grèves. Hein, ça parle d'ennui dans le travail. Alors, on va tout recouvrir. Alors, la créativité, ennui, créativité, travail, perte. Donc là, c'est des choses qui se préparent, là, qui sont en train de s'inventer, de se préparer. Au niveau de certains peut-être blocages, hein, là on a des panneaux de ralentissement, donc des choses qui se préparent au niveau peut-être de certains blocages. Et là on a travail, perte. Donc ça peut être... la situation de l'emploi hein, en France, mais ça peut être aussi des gens qui perdent leur travail, donc il y a peut-être aussi la réforme, tout ce qui a été fait récemment concernant le chômage et tout, ça peut être la retraite, il y a tout ça qui rentre, alors là, hein, qui rentre en ligne de, qui rentre en jeu, mais on a l'été là, hein, donc c'est quelque chose qui peut durer 3 mois minimum. Les cadeaux, un geste qui peut être fait d'ici 3 mois, des gestes, hein, des promesses ou... Alors, on va essayer de voir. Oui, une réussite. Donc, il y a quelque chose qui va être obtenu. Alors, soit cet été, soit d'ici 3 mois. Et ça, ça parle au niveau perte-travail. Alors, soit le chômage, soit la retraite. Il y a un gain de quelque chose, hein, d'obtenu. Réussite sur le cadeau. Donc, 3 mois ou été. OK. Alors, ensuite, qui va se mettre en place dès cet été. Ouais, il y a une idée d'été. Et là, on avait un accord au niveau de l'argent. Bon, il va y avoir certains compromis, apparemment, puisque là, au niveau... Alors, l'argent, ça peut être quoi? Alors, peut-être sur l'inflation, peut-être sur les retraites. Bon, au niveau abondance, il y a un accord qui va être obtenu. Alors, on va voir famille, ce qui concerne les familles. Alors, un accord, rencontre, famille, qu'est-ce que c'est ça? Je vais remettre en automne. Automne ou d'ici 3 mois encore. Bon, ça peut parler des retraites, ça aussi. Hein. Alors, on va voir. Isolement. Eh oui, isolement, quand on est à l'automne de sa vie, ça peut parler des retraites. Donc, un accord. Alors, au niveau... Bon, je n'ai pas trop suivi, moi, au niveau de le montant des pensions. Ça peut concerner, voilà, le montant des pensions. Alors, peut-être les minimums, les choses comme ça, hein. Bon, pour ceux qui ont des carrières pleines, parce que bon, ça ne concerne pas tout le monde à chaque fois. Mais là, il y a un accord obtenu. Alors, on va essayer de voir. Oui, c'est ça, hein, c'est les retraites, moi, je pense. Hein. OK, bon, alors, on va continuer. L'attente, pour l'instant, c'est en stand-by, on va dire. Hein. Les gens, là, une question d'entente, hein, de se mettre d'accord. Voilà, dans les jours à venir, il y a quelque chose, événement proche. Oui, c'est la grève du 19 janvier. Alors, des ennemis. Ah oui, rupture. Donc là, il va y avoir quand même bagarre. Hein. Bagarre, conflit, on va dire. Conflits sociaux. Hein. Alors, on va continuer. Ah oui, interdiction, il y aura des barrages. Il y aura même des barrages à certains endroits.
hein, la route barrée, des blocages, hein, des barrages, des blocages. Alors, on va continuer. Tristesse. Bon, il y a des personnes qui, malheureusement, ben, vont en faire les frais. Hein, dans, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, il y aura des endroits où il y aura des blocages ou des barrages. Ça va ennuyer certaines personnes. Ça y est, c'est la bataille. Hein, ennemi, rupture, c'est le conflit. Alors, on va continuer. Alors, tristesse, amour, on a amour, conflit. Oui, alors là, on est dans ça. Hein. Bon, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, il n'y aura pas le soutien de tout le monde, hein, puisqu'il y a des gens qui vont être ennuyés. Donc, tout le monde ne sera pas d'accord en plus. Hein, alors, soit par rapport aux revendications, soit par rapport au blocage, au mode d'action, tout le monde ne sera pas d'accord. Alors, on va continuer. On a le karma, l'effort, donc une période difficile, hein, une période qui va demander, qui va être un peu lourde, difficile. Mais il y a la guérison toujours. Hein. C'est une période difficile par laquelle on doit passer avec le karma pour aller mieux, pour aller vers une guérison. Et il y a une belle protection. Donc, c'est quand même des cartes bénéfiques. On a vu un accord qui allait être obtenu, donc vraisemblablement au niveau des retraites par rapport au montant des pensions. Bon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais vu qu'il y aurait pas mal de changements qui videraient quand même une substance, hein, cette réforme. On a quelque chose qui est obtenu au niveau, alors perte de travail, ça peut être au niveau du chômage aussi peut-être, hein, ou ben, on va essayer de recouvrir. Ah, femme, pour les femmes, ah oui, ben oui, parce que au niveau des retraites, puisque là ça fait partie des revendications, beaucoup de femmes, hein, qui ont des périodes où elles ne travaillent pas, hein, pour élever les enfants et tout ça, moi je vois ça parce que ça concerne les femmes. Donc peut-être quelque chose d'obtenu à ce niveau-là aussi. Hein, qui va peut-être être mis en place dès cet été. Femme transformation. Alors, peut-être par rapport à ça. Alors, ça peut être... oui, c'est ça. Hein, c'est ça, hein, perte de travail, les moments où les trous dans la carrière, etc. Hein. Je vais en remettre une sur la transformation. Déménagement, un changement. Là, il va y avoir quelque chose de nouveau là qui va changer. Hein, peut-être, donc, au niveau des trous dans la carrière. Hein, bon, c'est pas très joli comme expression, mais je ne sais pas comment dire autrement. Perte de travail qui concerne les femmes. Donc, les interruptions de carrière. Là, il y a quelque chose qui change. Bon, on va en mettre une. Nouvelle, voilà. On va la prendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais recouvrir avec le jeu qui va bien avec, l'oracle soleil. On va essayer de voir si ça peut nous en dire plus pour ces mouvements qui arrivent. On l'avait vu, hein, déjà même en fin d'année, hein, je vous avais dit, que dire du début d'année qui promettait d'être mouvementé. Hein, les oracles nous en parlaient depuis plusieurs mois, hein, que ça allait chahuter, hein, en début 2023, chahuter à tous les niveaux. Hein, donc là, on y est. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Là, il y en a trop. Alors, soit je reprends tout et on approfondit. Alors, ce qui est en train de se mettre en place là, de se préparer, hein, voir des barrages, des blocages. Alors, on va essayer d'en savoir plus. L'aide. Donc, pour l'instant, voilà, l'aide qui est demandée, peut-être au syndicat, des associations. Donc, ça se met en place. Bon, il y a de l'entraide là qui va intervenir. Hein. Beaucoup d'entraide. Purification sur l'aide. Voilà, on a une grande vague. On a quand même quelque chose qui veut être nettoyé là, hein, qui veut être nettoyé. Donc, je pense que là, aide purification. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, ça? L'eau, le nettoyage, des choses qui se préparent au niveau de barrage. Aide purification. Il faut que j'en mette une, voir s'il y a quelque chose qui me vient. Et les plaisirs. Les gens veulent vraiment un renouveau, pouvoir plus profiter, hein, profiter de la vie là, et effacer tout ce qui ne va pas là. Tout. Les gens veulent un retour à plus de, voilà, avoir du temps libre, profiter. Ça peut être de l'aide de certains artistes, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on va continuer. Oui, c'est possible qu'il y ait l'aide de certains artistes. Hein. Mélancolie, tristesse. Oui. Ben là, on a un violon, hein, c'est plaintif comme instrument. Il y a des gens vraiment là qui veulent faire un nettoyage même beaucoup plus profond, hein, des valeurs peut-être, de la société, du mode de vie. Voilà. C'est quelque chose qui va cristalliser beaucoup de choses en fait. Hein, beaucoup de choses, les gens ne veulent plus, et un certain ras-le-bol. Alors là, c'était sur les nouvelles concernant... les carrières interrompues pour les femmes. Alors, on a l'enfermement.
Enfermement, piège. Ah, ok. Ils peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent par rapport à des règles au niveau. Ben, ça, c'est l'Europe. Hein. Ils sont pas libres hein, par rapport. Donc, ce qui est fait, qui pourrait concerner les carrières interrompues, hein, notamment pour les femmes, ben, ils sont pas libres quand même de faire ce qu'ils veulent par rapport aux directives européennes, hein, malheureusement. Donc, là, on avait les retraites avec peut-être une revalorisation des pensions. Ou alors, bon, ça, c'est des choses qui concernent jamais grand monde parce que ça peut concerner ou les carrières pleines, ou bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Direction. Alors, il y a une nouvelle direction qui va être prise. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Épanouissement. Donc, il y a un mieux au niveau, au moins pour certaines personnes, de la peut-être revalorisation de certaines retraites. Voilà, pour certaines personnes. Alors là, ce qui me vient, c'est aussi pour les changements de carrière. Là, on a direction, peut-être pour des gens qui ont eu plusieurs postes différents au long de leur carrière. Là, hein, voilà. Donc, ça, c'est une bonne carte. Ensuite, on avait là les conflits. Là, voilà, là, ça se dispute. Tout le monde ne sera pas d'accord, même y compris sur les modes opératoires, là, sur peut-être des barrages, des blocages. Mais les conflits sont là et ils démarrent dans les jours qui viennent. Alors, on va continuer. Ah, ben voilà. Préjudices sont là. On a les raffineries là. Hein. Donc j'avais entendu dire qu'il y aurait aussi pour bon, les raffineries, ok. Il risque, tout le monde n'est pas d'accord parce qu'il y aura des blocages au niveau des raffineries là. Donc j'ai déjà vu des gens qui vont faire le plein d'essence. On en est là. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui voudraient carrément bloquer, d'autres qui ne sont pas d'accord. Voilà, on est dans ça. Oula, colère, hein, colère. Hein. Donc au niveau des raffineries, il y aura bien quelque chose aussi, hein, des mouvements de contestation. Alors je vais continuer. Ah, sérénité. Bon, donc ça va peut-être pas durer très 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 longtemps au niveau des raffineries, apparemment. Hein. Il y aura peut-être quelques barrages, blocages, mais comme tout le monde n'est pas pour, ça risque de s'arranger peut-être assez vite hein, avec la sérénité. Je vais en remettre une. Point de départ, un point de départ. Ah d'accord, ils vont vite obtenir des accords pour pas que ça dure trop longtemps. Hein. Voilà, on a l'enrichissement, il y aura vite des gestes qui vont être faits. Par rapport aux raffineries, pour pas que ça dure trop longtemps. Bon, ok. Et là, on avait donc cette période difficile par laquelle il faut passer pour aller vers un mieux et une protection. Bon, je vais la recouvrir. Et la clémence. Bon, ça, c'est une carte de douceur, d'équilibre. Des accords, des compromis. Je pense qu'il va y avoir quand même des compromis, des consensus qui vont être obtenus assez vite au niveau des retraites, au niveau des raffineries. Pour pas justement que ces conflits s'éternisent. On dirait plutôt qu'il va y avoir pas mal d'accords, pas mal de mains tendues et des consensus qui vont être obtenus assez vite. Là, hein. Ouais, voilà, à Clémence, amour. Ouais. Là, c'est pas quelque chose qui dit que ça va s'enliser longtemps. Il y a plutôt des choses qui vont être obtenues, moi, je pense. Hein, là. Des accords, ouais. Donc, et ça, c'était un peu... là, on a la droiture, ouais, on a la justice qui est là. On a la justice qui est là, donc qui va arbitrer tout ça. Donc, ce qui se prépare, on va avoir retour peut-être hein, de l'harmonie, la droiture. Ouais, là, je vais en remettre une. Affaiblissement. Bon, là, c'est l'affaiblissement. Hein, ça peut parler aussi de certaines, peut-être, pénuries. Ouais, c'est ça. En alpin, là, on a ben, l'histoire de. On l'avait vu souvent avant. Hein. Voilà, notamment des boulangers, là, on voit le pain. Donc, on a bien l'affaiblissement aussi à ce niveau-là. Ça peut parler hein, par rapport aux factures. Hein. Mais là, on a bien quand même un affaiblissement au niveau des artisans, de certains artisans. Il y a la justice qui va... D'accord, alors peut-être que certains vont faire appel à la justice. Peut-être. Hein. Bon, on va essayer de creuser un peu ça. Ah, on a le guide. Oui, il va peut-être y avoir des... comme des regroupements ou des associations d'artisans, hein, notamment boulangers, bon, ça peut être aussi des bouchers, ça peut, qui vont, par rapport au préjudice, hein, l'affaiblissement hein, de leurs revenus, qui vont peut-être s'allier en justice, hein, c'est pas impossible, hein, sous l'égide de quelques leaders, hein, on a le guide là, c'est pas impossible qu'il y ait ça. Hein. Ah bah tromperie, ouais. Ils vont peut-être faire valoir des préjudices, des tromperies, alors ça peut être sur les factures, hein. Je pense qu'il y en a qui vont se réunir, qui vont faire appel à la justice, ouais. Donc notamment des artisans.
Voilà, alors pour ces grèves, voilà ce qu'on pouvait en dire. Bon, je referai d'autres jeux hein, selon la tournure des événements. Je vais toujours en faire d'autres. Voilà pour aujourd'hui.